Hello tout le monde, c'est Yacine. Aujourd'hui, on va parler du film Revenge de Coralie Farja. Dans le rôle de l'antagoniste, on retrouve l'acteur de l'excellent Les Ardennes, Kevin Janssens. L'histoire. Trois riches chefs d'entreprise se retrouvent pour leur chasse annuelle dans une zone désertique. L'un d'eux est venu avec sa jeune maîtresse, Jen. Les choses dérapent et la chasse à l'homme commence. Pour son premier film, Coralie Farja a choisi le genre du rape and revenge. Controversé car accusé de voyeurisme et de complaisance. Le scénario se construit sur le viol et la vengeance de la victime. C'est pas tout public. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un vrai discours de mise en scène. Des plans fugaces où à travers une action anecdotique, chaque personnage révèle son identité. Les couleurs saturées et chaleureuses qui tranchent avec l'horreur. Il y a aussi les transitions, qui sont à la fois surprenantes et un vrai plaisir à regarder. Je pense par exemple à l'image de la pomme croquée qui est en putréfaction. Un des éléments constitutifs de l'identité du film, c'est le sang. Comment, dans ce contexte, il devient un chemin à suivre? Par contre, c'est pas humain de perdre autant de litres de sang, c'en est presque drôle. Ce qui est cohérent, car c'est le propos du film avec beaucoup de comiques de situation et de second degré. Ça nous soulage de la thématique pesante. Une de mes scènes préférées, c'est le cauchemar de Jen, à base de verre et de pourriture. Les fans de Cronenberg vont adorer. Faut vraiment que vous alliez voir ce film, ne serait-ce que pour le génial plan séquence. On le voit pas venir, et c'est vraiment au bout de 2 minutes que je me suis dit, mais comment le caméraman a pu faire ça? Vous l'avez compris, la façon dont sont racontés les événements est pleine de bonnes idées. Politique et d'actualité avec l'affaire Weinstein, le film va faire parler de lui. Dans le même genre, je vous invite à regarder The Bad Batch de Anna Lily Amipour. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, likez, partagez, on se retrouve très vite, salut!